Donc, je m'appelle Héloïse et je suis danseuse dans le corps de ballet de l'Opéra depuis 6 ans. Et j'ai fait toute ma formation à l'école de danse de l'Opéra depuis mes 8 ans. Je suis là aujourd'hui pour manifester avec tous mes collègues par rapport à la réforme des retraites. Parce que on a une retraite obligatoire à nos 42 ans. Donc ça signifie la fin de notre carrière à l'Opéra en tant que danseur. Et jusqu'à présent, on avait un système de pension qui nous permettait en fait d'essayer de rebondir en tout cas dans une vie active autre que celle de danseur à l'opéra. Seulement, nous en fait, on commence en professionnel à partir de 17-18 ans. Ça représente qu'on sacrifie des études, des formations aussi, d'où la complexité et la difficulté pour nous d'être catapultés dans un monde professionnel dans lequel on n'a pas de connaissances. Et au niveau de l'opéra, vraiment, il y a une grosse mobilisation avec plusieurs services parce qu'on est tous... On va tous être impactés en fait, donc c'est la première fois en tout cas que moi je vois ça, et là il y a beaucoup de services mobilisés, la machinerie, l'orchestre, les chœurs et le ballet et d'autres. Jusqu'à présent on n'a pas eu d'actes vraiment posés, mais là on sait que d'ici quelques jours il va y avoir des réunions par la direction de la danse, j'imagine celle de l'opéra aussi avec le ministère. J'appelle à soutenir la grève. Le cas de tous, parce qu'on est quand même très nombreux dans la rue et très nombreux à vivre à une situation difficile, pour la retraite.